Sous les projecteurs, il y a cette beauté lumineuse, cette voix puissante, capable de couvrir 3 octaves. Une chanteuse aux 200 millions d'albums vendus, retrouvée morte dans une chambre d'hôtel à 48 ans. Et puis il y a l'envers du décor. Pour comprendre cette descente aux enfers, voici un documentaire truffé d'images d'archives, souvent privées. Dans l'intimité d'une loge, par exemple, les conseils d'une mère à sa fille. Sissy Houston, symbole d'une famille omniprésente, l'une des clés d'un destin tragique. C'est l'histoire d'un mystère. Une histoire de détective et je suis le détective. J'essaye de faire le tri entre les mensonges de la famille et les vrais problèmes. Et je voulais que le spectateur fasse ce cheminement en même temps que moi. Un cheminement qui aboutit à une révélation choc. Whitney Houston aurait été abusée sexuellement par sa cousine, la chanteuse Didi Warwick, lorsqu'elle était enfant. Ajoutez à cela son mariage tumultueux avec le rappeur Bobby Brown. Jaloux de sa notoriété, il la confortera dans la drogue. C'est terrible de dire que finalement, dans l'histoire du rock et de la soul, depuis Janis Joplin, Brian Jones, jusqu'à Amy Winehouse, Kurt Cobain, on retrouve des schémas pas toujours semblables, mais parallèles quand même, c'est-à-dire la drogue, les couples toxiques, les parents omniprésents. Un schéma que reproduira Bobby Christina, sa fille, qui mourra 3 ans après sa mère à 22 ans, dans les mêmes circonstances, emportée elle aussi par l'implacable tourbillon de la gloire.